Zami internaute, dans le dossier, rapport, Nations Unies mette de yon là, li mette tout kakachat de yon, tout sa moun tap serré, tout secret qui t'a fait, tout parole qui t'a parlé en battable, dans le rapport ça, Nations Unies, pas mettre de l'eau dans la bouche li, pour le parler causer, pour le démasquer, nèg, pas bon ici. Nous connaissons, rapport ça, li gen nèg secteur privé. Les gens nèg dans politique pays d'Haïti qui c'était la donne. Nous connaissons Matéli, nous cité et dans l'émission précédente te parlé de Michel Joseph Matéli qui sont gang. C'est lui même qui créé base 257. Lui c'est lui qui a financé base Villa de Tibo avec Gravine. Mais est-ce que on est gros nèg dans pays d'Haïti qui relé Renault Dib. Où est ça? Faites bien. Tout ça, nous supposons, marqué dans toute la rue, Renault Dib, Nap Chachou, ou son gang, ne ka di gang légal, c'est une qui est dans le secteur privé là, qui c'est boss, gros chef gang dans le pays d'Haïti. C'est rapport, Nations Unies qui dit, et puis, moi répétez. Écoutez bien. Rapport Nations Unies, li fè konnen yo adopté yo ki ba sa yo kòm m'a bon non li yo adopté yo résolution ki gen numéro ki se 2653 et nan résolution sa yo di moun sa yo ki sanctionné. Yo si vous prenez mes yeux contre yo pour arrêter moun sa yo vous en prison. Et nan liste sa ki pa sorti là nan mois novembre nan fam di bien te gen yon représentant Interpol qui consulté demande là demande comité a établi yon accord coopération concernant publication notif spécial ça côté va dresser une liste moun sa k ap gen pou sanctionner nan mois novembre ka vini là. Tande bien nan liste ça yo fè m konnen gen deux anciens présidents, trois anciens premiers ministres, des anciens et actuels ministres. Tande pas bon courir. Yo dit des anciens et actuels ministres. Le yo dit actuel ministre nèg ki nan gouvernement PM de facto Ariel Henry. Et ensuite des hommes et des femmes du secteur privé des affaires. C'est ça yo dit. Et yo dit des responsables politiques dans pays a. Et pour finir yo dit nan sorti ça nan liste qui va sortir là la yon seri yon tremblement de terre pays d'Haïti pa le konnen pour l'autre fois. Ça veut dire là pays a pa le trembler, deux anciens présidents, trois anciens ministres, des anciens et actuels ministres qui nan gouvernement moun fikou garçon qui nan secteur privé des affaires et des responsables politiques dans le pays d'Haïti, les listes va tomber dans le mois de novembre qui vient là. Là, yo séisme, yo tremblement de terre, yo catastrophe qui peut passer là dans le pays d'Haïti. Renault Dib, non, dossier si là, gen pile parole qui parlait et li confirmé, Nations Unies confirmé, Renault Dib, c'est un gros bandit puissant dans le pays d'Haïti. Bon, li pour nous. Dans le rapport Nations Unies, groupe expert yo sorti sur Haïti. Yo cité nom Renault Dib. C'est next en garde là qui c'est yo. On est chez les siro, yo milat
ou bien tout un bourgeois, bah qu'on est. Comme yon nan membre secteur privé haïtien, Renault Dib ka finance gang yo pour protéger entreprise li. Et puis assurer marchandise li a importé pour passer facile nan territoire gang yo. Ou pèse sou gang yo. Rapport a cité divers sources. Yo fè konnè responsable DK group la ki se Renault Dib, ki se yon gros importateur en Haïti ki kon paye gang pou fè pression sou certain douane nan port pour conteneur li qui donc dire là on connaît misère de franchise l'utilise gang yo pour conteneur li yo pas ni expecté pour pas fouiller parce que gen ces bagaille qui intéressant gen ces bagaille qui me ka di qui lou j'ai pas ka wè yo ni tout ni intercepté ou pas rien droit vérifier conteneur Renault Dib. C'est pour laquelle il utilise gang yo pour faire pression. Dans le rapport 158 pages, Nations Unies sorti là, expert ont dit Renault Dib qu'on paye pour marchandise passer sous territoire Genève en famille et allié à contrôler yo. Li clairement dit Renault Dib a barbecue c'est cocotte avec Figaro. Renault Dib, qui sont les qui gagnent l'argent dans mail, la paye bandi pour yon pas vérifier marchandise li. Femme ou bien, m'pral entre dans l'article tout droit, m'pral dou qui j'en Renault Dib comme fonctionne dans le pays d'Haïti. M'appli, dans l'année 2017, Renault Dib te paye yon chef gang pou te ka mene aktivite li nan yon nan principal po yo. Rapport a di selon plizye sous indépendant, mais se Renault Dib te servi a mem gang yo pou mete pression sou kek otorite koutim nan po a. Comme ça que conteneur yo patap de gadi expecté ou bien tout fouillé je ne te kadil garder qui ça Renault Dib porter en dans conteneur yo c'est pour laquelle il te fait pression sur moun yo ça qui permet li éviter sorti non certain droit qui entre. Tout marchandise Renault Dib yo, conteneur yo, qui entre dans douane nan, le yon sorti, yo pa fouye yo parce que c'est Renault Dib. Li gen gang avèl, el gen l'argent. Panen la note que yon gros fédération gang qui se Genève contrôle zone qui entoure port national ak route qui mène nan Dib ak l'autre gros monde k'ap importé, mais c'est Renault Dib tankou l'autre monde qui important négatif qui importé pardon gros marchandise paye gang yo pour marchandise yo passer sous territoire yo libre et libre. Par exemple, si gen yon conteneur ka passe la sou territoire Genève la, barbecue ki tan rele li di, monsieur, m'ap gen di trois conteneur ka passe la, c'est patron, c'est boss la Renault Dib ka passe avec yo, laissez yo passe. Tande bien oui. Renault Dib décrit comme yon moun ki fè l'argent. Son grenèg, vle ou pas.
tenant mitan moun yo qui t'a aidé financer mouvement opposition nan l'année 2019 contre président Jovenel Moïse. Te connais comme pays lok Renault dit pour beaucoup nan bloqué pays ya. Tenez bien oui, m'a li yon rapport Nations Unies sorti. Renault dit te participé à fond dans l'année 2019 contre président Jovenel Moïse pour te faire pays lok au soir pays n'ga dit l'été gè confinement yo nou ka rele jan nou vle yo bloqué pays ya pièce on pa ka sikile. Selon même rapport ça m'a pli pour nous là Renault dit qui te bloqué pays ya c'est même lui même encore qui te rete dans économie frayo Haïti ya li dit il te protéger approvisionnement dans sens pour manger pour boycotter ou bien tout pour corriger député yo rapport a cité non Renault dit bien fort qui était dans pays chef gang yo pour te disperser moun pour te lever ou bien ne ka di débloquer la ria lever barricade parce que li te gen marchandise ka rentrer li pa vle pour moun te barre marchandise li nou connais c'est même li même qui te payé pour faire pays lok contre président Jovenel Moïse. Tout ça nous connais Jovenel Moïse tes amis Renault dit qu'elle t'ayé c'est le Jovenel Moïse fin coupe vache avec bourgeois dans le pays d'Haïti. Les gens disent, oh oui, ça c'est pour le peuple là. C'est laisse ça, oui. Renault dit, coupe vache tout. Le vin à boycotter Jovenel Moïse. Paye ti monsieur l'argent. Fait pays lok. Kouna se même Renault dit ça. L'elge marchandise qui va rentrer. Qui parle paye gang yo. Pour disperser moun. Pour ka lever barricade. Pour ka quitter marchandise yo passé. Renault dit, n'a pas gardé sur l'écran là, et il a dit, et qui confirmé dans le cadre d'interview avec ancien officier dans le gouvernement Matelia, autorité Koutimio a dossier confidentiel te fourni par un pays membre dans le groupe étude là. Jusqu'à jeudi, quand tu m'as parlé là, Renault dit continuer influencer dans forme négatif non officiel choix officier coutume quitté affecté dans plaisir dans poyo pral entrer nous connaît Renault dit gain franchise Renault dit c'est nèg qui dans secteur privé et Renault dit qu'il laisse passer nan douanio. C'est ça oui rapap di la. Renault dit nan gade la, c'est mon garçon petit. D'ailleurs, son caractère monsieur, depuis son visage nou la fait le vrai. Ils sont vraiment illégal. Nèg sa son côté sorti nan pays yo, yo vinn craser pays d'Haïti ban. Comme yon résolution qui sorti là, moun ka sorti par gon li ka sorti en novembre là, faut que arrête tout moun sa yo comme non monsieur qui t'en cité. Faut peuple la marcher pour monsieur. Nous ouais, ça fait là, nous allons casser brisé. Nous allons casser brisé, al casser business Renault dit mais non, n'a pas saisi yo. Dan craser, nous allons commencer. N'a pas saisi yo et n'a arrêté Renault dit, n'a voyer dans prison. Clair. Parce que Renault dit son gang légal qui craser pays à ba nous. Tenez bien oui. Rapport a dit Renault dit d'après quelques sources mais c'est Renault Dib te mette nan place représentant pour aider li nan activité frage fiscal li yo. Déclaration en bas valet. Et de ka di éthique étage fort
ak importation marchandise contrebande à travers divers ports yo. Groupe expert Nations Unies yo te joine que quelques officiers coutume te gagné dans détournement financier ak sitou nan de nous connaît gonné qui relé Roumel Bel qui c'est ancien directeur douane nan en nan l'année 2018 pour arriver 2022 et nous connaît et Roumel Bel sanctionné déjà par États-Unis nan décembre pour nan décembre là qui se passé a pour corruption. Roumel Bel fait encourager invasion fiscale ak l'autre crime financier tant kou transaction bancaire sou et nous connaît Roumel et ben ça fait pas déjà me fait émission sur ça et c'est ça c'est un rappel qui fait dans rapport Nations Unies rapport a été fait public dans un tweet mercredi soir avant une réunion dans le Conseil de sécurité pour décider qui gens pour faire choix. C'est me dit choix yo c'est pour yo mon dit yo monnaie moun peut-être dit pour ça me dit pour manyen moun pour sanctionner yo ou soit ajouter nou yo nan yon résolution qui déjà appliqué sanction nan réponse à violence gang et puis enlèvement yo résolution te d'accord ouais résolution te d'accord nan octobre année passée nan réponse nan information nan activité criminelle qui te serré pays d'Haïti depuis assassinat président Jovenel Moïse nan mois juillet 2021 prise nan gang yo qui a grandi qui te yo qui te pi gros parti nan capital la nan Port-au-Prince plan bien entendu en bas sécurité et puis yo te mené à la mort pour plus passer 3334 moun depuis janvier d'après Nations Unies. Mes amis, rapport a tellement en pile. C'est un rapport 158 pages. Rapport ça faut nous prendre temps pour nous bien garder rapport pour nous connaître qui ça qui dit vraiment vrai en dans rapport si là. Gagne en pile monde qui saisit parce que yo wè c'est seulement nous Jimmy Cherizier alias Barbecue qui cité dans rapport Nations Unies. Depuis le pays qui fâché tout oui. Dans rapport ça, yo dit comme nous yo te connaît déjà yo sanctionné Barbecue. Li di Barbecue qui c'est un ancien policier qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue qui t'a mené yon mouvement pour te bloquer terminal carburant principal pays d'Haïti non dit dit non porter plainte la décision gouvernement te prend pour couper subvention ak de ka di gon mo yo di la oui akaribo yo par contre ça mo ça veut dire nan barricade Barbecue te mette devant terminal là nous te connait te gen gros vent bala pété et police pa ka vinn débloquer jusqu'à ce que arrive négocier avec Jimmy Cherizier alias Barbecue jusqu'à ce que yo arrive débloquer terminal là. Tout ça on parle dans rapport
Conseil Nations Unies, on dirait Conseil Sécurité Nations Unies t'a choisi mettre dans liste moun yo qui t'a sanctionné pour première fois dans pays et hémisphère occidental t'a désigné dans menace sanction ça yo. Pendant là t'a fait connait il t'a remarqué que Jimmy Cherizier barbecue qui n'a famille Genève ak associé yo j'aime que je nous connais dans Rage Viguer Genève en famille et allié d'après dit là yo fait gros attaque sans commage dans communauté qui en bas contrôle gang rivaille yo commandé en pile assassinat ak viol ak mené nan déplacement nan population. Groupe expert yo kap travay ki fè rapport sa yo partage plusieurs photos chef gang Jimmy Cherizier alias barbecue te publié nan média social côté li te chargé ak zam. Yo photo même montré li kap diverti nan yon banye glo li ka di glo chaud ou bien nan la kayli nan quartier Delma nan Port-au-Prince et nan rapport mi la m'ap li m'ap ese kras nan créole panel la te fait remak côté travail yo pa fini recherche nan e nan événement de ka di nan dossier ça yo di yo pas facile nan yon pays côté gang nan pays côté c'est pratique qui domine a teni dossier yo c'est limite au soi pas exister. Et le même garde dans page 17 dans rapport Nations Unies me saisi dans page 17 dans rapport Nations Unies li complètement démenti attendez bien la PNH et dans rapport 17 là dans rapport page 17 là li dit li clairement parler de Boakale. Boakale qui c'est un mouvement population te mené. Parce qu'on connaît gang yo population te vinn pas capable avec pression gang a fait sou yo faire courir quitter zone yo. Dans rapport wa li dit nan fin avril 2023 Boakale qui c'est un mouvement justice population responsable mettre yo le moun ki mouri a di fami zanmi proche moun ki mouri yo gen 479 membres gang résumé à travers pays ya nan mois avril pour rive juillet 2023 qui mouri dans même mouvement Boakale population. Et c'est là oui, yo pas démenti la PNH qui devait connaître oh oui, c'est eux même qui touyé chef gang Timakak et nous connaît rapport ça pas bien menti. Dans même rapport ça, nous connaît chef gang Timakak qui t'a opéré dans la boule en l'air Pétionville, nan Port-au-Prince là. Rapport a dit, nan point 57 là, assassinat Carlo Petit Homme, alias Timakak, le 14 avril 2023, il dit, assassinat ça, li fait, tande bien oui, ma pose, ma prensam, pour m'dou, et m'dame ou tande, très clair. Ça me dit là.
Li di, l'an mo, chef gang Carlo Petit Homme, nan page 17 nan rapport Nations Unies, yo demandi la police tankou chien sou koze, yo di oh oui c'est yo ki touye chef gang Carlo Petit Homme, chef gang Timaka la ki tap opéré nan la boule 12. Elle dit Nations Unies confirmé, c'est un membre nan gang Timaka la qui éliminé chef gang yo wa ki c'est Carlo Petit Homme dit Timaka. Après la mort chef gang Timaka, gen 57 membres nan gang sa te joine exécution yo. C'est juste après bon 22 à 23 avril, la police ta pral touye 35 membres nan gang Timaka la. Ça veut dire là le ou we la police a pran ou libre sou opération Bwakale peuple là. Fait nous yo démasquer la police comme quoi il y a travail yo il y a travail là et puis tout c'est yo pas encore amna c'est yo qui touye et Carlo Petit Homme dit Timaka pourtant c'est menti. Nations Unies clairement dit c'est un membre dans gang là qui touye chef gang Timaka. À la suite nous connaissons que 14 membres de la gang qui t'apprêtent à prendre un bois calé dans le canapé vert. 24 avril 2023, nous avons dit nous là, nous avons dit nous combien de monde qui mourent. Et nous avons parlé tout, gang ça tout, nous avons renforcé gang, c'est que c'est God là, qui est dans la ravine, qui est dans la matissant là. C'est rapport à qui dit ça là. Rapport à. La pose a tellement pile. Moi là, m'a pour une journée pour me lire. Chaque ça me lit dans rapport wa, m'a porter le ba nous comme information. Et puis tout, m'a tout rappeler nous qui ça bagaille yo téré. Ça veut dire pas rien débat sur ça. Moi ça me dit là, c'est dans page 17 et dans page 17 là, il gain point 57, 58, 59, 60. Et m'gete fait un résumé pour nous. Oui. Nous avons fait un bel résumé pour nous dans le rapport si là. Bon, allez, nous avons parlé nous là des gangs et nous parlons de Renault Dib qui sont nègres qui supportent gang, qui utilisent gang yo, fait pression sur douane yo pour pas fouiller comme marchandise. Et nous avons de Jimmy Cherise alias Barbecue. Et nous connaissons Renault Dib c'est boss Barbecue. Et gen pe moun ki saisi tout ki wè c'est sel barbecue ou parle ki gen lien avec boss yo nèg ki nan secteur privé nan politique nan pays d'Haïti. Et m parle tout de chef gang Carlo Petit Homme alias Timaka ki mouri et c'est le rapport Nations Unies c'est pas la police qui touye Timaka c'est un soldat qui nan gang Timaka la qui exécute Timaka. À la suite nous te wè gang nan t'ap vin krasé et t'ap renforcer gang sexe godlan. Te gen 14 qui te mouri en l'air nan canapé vè. Comprenez bien. Et puis tout yo te même arrivé dit mais combien qui mouri? 57 mab nan gang nan te joine exécution yo. C'est juste après. Non, jour qui était 22 pour 23 avril. La police t'a pral touye 35 mob gang sa yo. M'a parlé de rapport. Bon, mané, rendez-vous dans prochaine émission pour qu'on vienne traiter l'autre dossier. Pas oublier journée ça son journée qui mauvais en pile. Go diare de voilà, rapport a sorti jeudi 19 octobre 2023. Et rapport ça, il y a un peu de monde qui a fait l'écti. Même monde qui pas connu li ta rime li article ça. Rapport qui gagne 158 pages là. Moi même des maths m'a pli et moi même l'aime gagne dossier me li dans rapport là. Faut me bien li encore pour me venir parler de lui. Rapport en pile. Et grand peu monde qui travaille sur rapport ça. Malé, rendez-vous dans prochaine émission pour me venir traiter l'autre dossier. Pas oublier. Chaîne ça sur position 509
n'a demandé pour like, abonner, peser sur la notification, retirer ce personnalisé sur tout pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Rendez-vous dans la prochaine émission pour nous traiter on l'autre dossier.